Et on se retrouve donc avec l'invité de ce journal de 20h, c'est Brad Pitt. Bonsoir Brad Pitt. Bonsoir. Merci beaucoup de nous recevoir ici. Alors vous êtes donc à l'affiche de La Comédie de l'été. C'est vraiment aussi un film d'action très très fort, Bullet Train, qui sort début août en France. Histoire complètement folle. Vous jouez le rôle de Coccinelle, c'est on va dire un tueur à gages malchanceux, pas très pro, parfois un peu loser, on pourrait même dire. Qu'est-ce qui vous a plu dans ce rôle qui est alors plein d'autodérision? J'ai entendu loser dans la traduction. Vous avez dit ça? Oui, vraiment, c'est un loser. C'est ce qu'il y a de plus drôle. Vous savez, il marche toujours un peu... Il marche dans la merde. On a le droit de dire ça? C'est le gars qui a toujours de bonnes intentions, mais qui se plante tout le temps. Alors, l'action se déroule dans un train à grande vitesse au Japon. Entre Tokyo et Kyoto, c'est quand même le pays de la modération, où les transports sont absolument parfaits, tout est propre, silencieux. Et là, vous arrivez, vous cassez tout dans ce train. Oui, effectivement, c'est ce qu'on fait. Et encore, ce qu'on a gardé dans le film, ça va, mais autour, c'était vraiment le bazar. Moi, j'ai fait ce voyage. C'est un voyage magnifique hein, entre Tokyo et Kyoto. Mais là, notre voyage ne se passe pas comme prévu. Tout tourne mal, tout explose. En fait, en deux mots, ce sont 6 ou 7 psychopathes qui se retrouvent à bord de ce train. Chacun a son propre plan, sa propre raison d'être là. Et c'est ça qui crée tout le conflit. C'est un film également très drôle, déjanté, très esthétique aussi, très beau. Brutal aussi quand même, on ne compte pas le nombre de morts. Vous savez combien de personnes vous tuez dans ce film? Oui, 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 ça me fait sourire là. Mais je crois que c'est la signature de David Leitch. Cette rencontre entre la violence et l'humour. Il y a une énergie de comique très forte. C'est la particularité du film et je crois que c'est ça qui le rend drôle. Ah justement, il faut parler de votre relation avec David Leitch, le réalisateur de Bullet Train. Il a donc commencé comme cascadeur, il a même été votre doublure. C'est ça, oui. La première fois qu'on s'est rencontrés, c'était sur Fight Club. Et donc, c'était ma doublure cascade. Et il m'a aidé, en fait. Il m'a aidé à développer le personnage, ce que je voulais voir. Et maintenant, c'est lui, l'auteur du film. Donc, c'est moi qui bosse pour lui. Et je dois lui rendre des comptes. La boucle est bouclée, et c'est une bonne façon de se retrouver. Je me souviens de lui quand il m'a dit qu'il voulait devenir réalisateur. J'avais dit, ouais, c'est ça, comme tout le monde. Bonne chance, mon pote. Et maintenant, c'est vous qui réalisez vos propres cascades dans ce film. Vous l'avez déjà fait dans Once Upon a Time. Tout s'est bien passé, hein. Vous n'avez pas eu de blessure. Vous savez, on rentre toujours chez soi couvert de bleu et de traces de sang. Mais vous aimez ça, faire des cascades, être cascadeur aussi maintenant dans vos films? Non, pas vraiment. Je suis plutôt un acteur un peu paresseux, moi. Vous voyez Tom Cruise, mon ami Tom, lui, il fait tout. Il s'accroche à un avion. Moi, non. Moi, je suis l'autre gars qui dit « non, non, c'est bon ». Je prends un petit café, je regarde, je profite et je dis merci après. Il faut que je descende de ce train. Ces dernières années, on a l'impression que vous voulez surprendre à chacun de vos films, dans chacun de vos personnages que vous interprétez, assez loin, en fait, de l'image qu'on pourrait avoir de vous. Moi, j'aime bien un peu tout mélanger. J'aime bien les différents films, jouer dans tous les genres de films. Et donc, ce film est arrivé, on était vraiment en plein confinement, pendant 5-6 mois. Vous savez, on commençait un peu à devenir fou. On était tous un peu déprimés. Les gens étaient renfermés. Et j'ai lu le scénario et ça m'a fait rire, en fait. Et je me suis dit, ce film tombe à pic après cette époque difficile. C'est parfait. C'est parfait de sortir ce film maintenant. Les gens peuvent sortir, se retrouver et profiter de la vie. Vous vous tournez ces dernières années davantage vers la production. Vous avez d'ailleurs effectivement eu un Oscar en tant que producteur en 2014, un en tant que meilleur acteur évidemment pour Once Upon a Time en 2020. Qu'est-ce qui vous plaît justement aujourd'hui dans ce rôle peut-être de mécène, de soutien pour le cinéma, pour les jeunes acteurs? On est vraiment très très fiers de donner la possibilité à de jeunes talents d'émerger. C'est ce qu'on fait. Et c'est vraiment une grande chance de les voir grandir et de pouvoir apprécier ce que font les autres. Par exemple, on a Joey King dans notre film, c'est quelqu'un de très fort.
Brad Pitt, dernière question. Vous avez commencé votre carrière d'acteur extrêmement jeune, mais auparavant, vous avez suivi des études de journaliste pour devenir journaliste. Alors, le journaliste Brad Pitt, aujourd'hui, il dirait quoi à l'acteur? Quelles questions vous aimeriez qu'on vous pose? Bien entendu, je n'étais pas très bon et c'est pour ça que ça n'a pas duré. Donc je ne suis probablement pas la meilleure personne à qui il faut poser la question. Mais je ne pourrais pas vraiment rajouter quoi que ce soit à ce que vous venez de faire. Et je ne pourrais pas faire ce que vous faites non plus. Merci beaucoup. Merci Brad Pitt d'avoir été l'invité des 20h de France 2. Bullet Train sort le 3 août prochain au cinéma en France. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Pleasure, real pleasure.